Bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans Fafa. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge de Fallé, au contrôle. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir des artistes très pétris de talent. Ce sont des jeunes qui sont dans une autre sphère, dans une autre dimension du style musical Zouglou. Ils font partie, je dirais, de cette troisième génération. Nous recevons Magic Diesel, Tim Essawako. Nous vous applaudis. Waouh! Mais ça donne quoi? Ça donne quoi l'état civil? Tim et Sawako, ça donne quoi? Salut la femme, moi c'est Tim. À l'état civil, c'est Monsieur Légré Agou Noé Omer. Beatles de Gagnoua. Voilà. Ouais. Des pères et des mères ou bien des pères? Et des terres. Et des terres. Oui, 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 oui. Alors, Sawako, ça donne quoi Sawako, à l'état civil? À l'état civil, je me nomme DJ Touré Serge Pacom. Tchédié Toro Serge Paco. Ouais, chic, non. Bonjour, Omo. Ouais. Ah ouais, c'est Omo. Ok. Omo, ça va. Mais ça n'empêche pas que les questions vont venir. Non, 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 ça va venir. Voilà, ça ne chauffe pas. Pas. Tu as venu dire ça. Non, ça ne chauffe pas, mais t'es mon Omo. Ouais. Ouais. Bon, non, il n'y a pas fait de moi. Hein. Ah, mon cher. On tape dedans. Hein. Ah. Mais c'est vraiment content de vous revoir. Ok. Voilà. Nous aussi, ça fait vraiment plaisir. Alors, comment se passe votre collaboration en ce moment? Ça tout va bien, tout va bien. On a sorti deux chansons. D'accord. Voilà, en prélude à notre album qui arrive bientôt. Ok. Voilà, les deux chansons, il y a 1% des chances dans le clip sur notre chaîne YouTube. Ok. Et il y a plus 225 aussi qui est disponible sur toutes les plateformes des deux chansons. Donc voilà, pour l'instant, avant l'album, on a sorti ces deux chansons et puis bon, voilà quoi. Ok. Tout se passe bien. Bon, là pour l'instant, c'est vrai que vous venez sortir ces deux chansons. Oui. Le Magis disait que nous on connaît. Oui. Bon, il y avait une certaine vivacité, une certaine virulence quand les sons sortaient. Oui. Aujourd'hui, c'est pas le même engouement. Qu'est-ce qui se passe réellement à votre avis? Je ne saurais le dire. Hein. Je pense que c'est à l'appréciation de tout le monde. Okay. Voilà. Sinon, nous, on est concentrés dans notre travail. Mm-hmm. Et puis voilà, vous savez, tous les artistes, ça dit dans la tête de chacun, tout le monde est premier. Okay. Donc nous, ça n'a pas changé dans notre tête. On est toujours premier dans notre tête. Et puis bon, okay. On travaille pour que ce qu'on pense puisse rimer avec ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Ok, alors mais quel est votre nouveau producteur en ce moment? C'est MD.org. Bon, c'est que là, il y a un souci. Parce que normalement, on aurait appris que vous avez signé avec David Monceau. Bon, vous savez, nous, on est dans le milieu, on connaît un peu les trucs. Uh-huh. Bon, on dit... Ouais. Quand vous avez quitté votre ancien producteur Brico Golini, uh-huh, vous êtes allé signer avec David Monceau. Ah bon? Oui. D'accord. Je pense qu'on va essayer d'éclaircir un peu cette affaire. Voilà. Parce que tout le monde a besoin d'informations assez claires. D'accord. Aujourd'hui, je pense qu'avant, on ne savait pas forcément ce qu'on cherchait. Okay. Avant, on n'avait pas vraiment d'objectif. On chantait parce que ça nous plaisait, on voulait faire plaisir à tout le monde. Aujourd'hui, mm-hmm, l'objectif est bien fixé. Donc, on s'est dit, il faut être clair avec les gens pour que les gens puissent te soutenir. Okay. Effectivement, Magic Diesel a signé un contrat avec M. David Monceau, notre vieux père. Okay. Voilà. Et il faut dire que cette collaboration était pour un but bien précis. Okay. Voilà. On l'a dit la dernière fois dans une émission avec M. Marcelin Attissoni. Notre vieux père David Monceau a fait le travail pour lequel il était là. Okay. Il a fini de faire le travail pour lequel il était là. Mm-hmm. Il est retourné. Voilà, le contrat s'arrête là, c'est tout. Donc c'était un contrat pour une durée déterminée. Voilà. C'était pas quelque chose. Pour un but bien précis. Pour un but précis. C'était pas pour un album. Non. Voilà. Tout est bien précis. Ok. Voilà. Il n'y a pas de souci entre lui et nous. Il n'y a aucun problème. Ah, mais c'est parce que nous on a pris. On dit au dernier moment, il y a eu un petit bafouin de vous. Ok, vas-y. Tiens, explique-nous. Explique-nous. Parce que nous, on n'est pas au courant. Nous, on a fait bafouin, moi, c'est pas. Ils ont aucun du bafouin, même, ils savent pas. Casse-nous les papos. Non, parce que bon, tu sais, après c'est aussi, fa-fa. C'est fa-fa. Nous, on est là aussi pour représenter un peu aussi ce que les gens pensent. Parce que derrière tout ça, bon, beaucoup vous traitent d'ingrat. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens ont tendance à vous traiter d'ingrat. C'est pourquoi? C'est dû à quoi? Bon, je pense que chacun est libre, comme j'ai dit tout à l'heure. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mm-hmm. Voilà.
nous, Magic Diesel, on n'a jamais été ingrat avec qui que ce soit. D'accord. Voilà, tu sais, quand tu fais un travail, quand tu es avec des gens, il faut qu'on arrive à te comprendre. Quand on n'arrive pas à te comprendre, c'est un peu compliqué. Donc, quand on n'arrive pas à te comprendre, c'est là qu'on te traite de tous les noms. On peut te traiter de tous les noms parce qu'on n'arrive pas à te comprendre, on n'arrive pas à comprendre cette situation. Mais j'aimerais dire un truc. Ce que nous, on a vécu, là, on souhaite ça à personne. On souhaite ça à personne, en fait. Mais quand tu dis ce que vous avez vécu, que vous souhaitez ça à personne, c'est que tu veux dire que c'est quelque chose de très fort, en fait. Oui, c'est quelque chose de très fort. Tout le monde a vu ici comment ils ont pris Maï, comment on a renversé, comment ils ont fait, on sait. Mais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, le soutien de nos familles, avec nos amis, la femme, à tout le monde, on arrive à s'en sortir petit à petit. Mais en parlant de soutien, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous avez encore toujours les mêmes soutiens que vous aviez d'antan dans le milieu Zougou? Tu sais, les soutiens au milieu Zougou, on sait comment ça se passe. Il y a des gens qui te soutiennent vraiment. Ils sont avec toi, quel que soit les vents, les marées. Et il y a des gens qui te soutiennent quand Parce que tu as le vent en poupe. Voilà, parce que là, tu es là, on parle de toi, tu vois. Okay. Mais là, je veux dire que Dieu a permis qu'on ait des gens qui nous soutiennent, qui sont en train de nous faire sortir de là où on était, en fait, tu vois. D'accord. Donc, du coup, je peux dire, l'esprit est bon. Ok. L'esprit est très positif, même, d'ailleurs. Vous trouvez qu'en ce moment, ça va, ça vient. Les soutiens, ça va, ça vient. Non, souvent, toi, il y a soutien. Il y a des personnes sur lesquelles on a toujours compté jusqu'à aujourd'hui. Tout va bien. On continue de compter sur ces mêmes personnes-là. D'accord. C'est le soutien, ça va. Voilà. Ok. Alors, les gars, faut pas, on n'est pas censé ignorer que votre titre Allons à Gagnon a été un succès fou. Mm-hmm. Allons à Gagnon a été un titre vraiment, même moi, j'en raffolais. Mm-hmm. Mais à un moment, il y a le meilleur spot de la chanson, mm-hmm. qui est celui de l'ex-président Laurent Gbagbo. Faut pas se voiler la face. C'est pas le meilleur spot de la chanson. Mm-hmm. Mais est-ce que depuis l'ex-président a quitté l'AE, depuis son retour de l'AE, est-ce que vous avez reçu? Pour être franc, on n'a pas encore été reçu par le président, voilà, par l'ex-président si vous voulez, d'accord. Voilà, le vieux Laurent Gbagbo, on n'a pas encore été reçu, mais je dirais que c'est pas forcément, on a été invité à un événement, on n'était pas là, donc on n'a pas pu. Vous n'avez pas pu honorer la date. Voilà, donc depuis là jusqu'à aujourd'hui, bon. Je pense que peut-être c'est nous qui devons faire le pas. Voilà, on n'a pas encore fait le pas, sincèrement. Okay. Voilà. Sinon, il y a eu une occasion. On doit faire le pas, mais pas. On n'a pas pu tenir parce qu'on était en déplacement. On était en déplacement. On va encore faire le pas. Ah. On ne sait jamais si le pas aussi vient vers nous à fond. Donc, si on n'a pas fait le pas, que le pas était emboîté, vous pouvez rentrer. Non, ça, c'est même pas là. C'est même pas là. Alors, mais ça fait plaisir, franchement, de vous revoir. Alors, parmi vous deux, qui est marié à la blanche? Quelle blanche? À vous deux là. Quelle madame blanche? Moi je suis marié, ma femme est blanche. Voilà. Ah, c'est pas pour prendre les bois, c'est même. Tu n'as pas papou là-bas? Comment ça prend papou? Ah, champion. Ouais. Il est en méga avant toi. Hein. Voilà. Mais tu es là, non? Mon vieux. Tu es là. Dis-moi, tu es encore, tu vois. Non, c'est pas ça. Je pense que. C'est Internet. Mais pourquoi tu fais? Tu es un peu. Tu sais. Je veux dire, parce que tu as dit tout à l'heure, est-ce que c'est pas pour les blessés? Ouais. Voilà, moi c'est de ça que je veux parler. Sinon, à part ça, j'aime bien ma femme, on s'aime vraiment. C'est pour ça qu'on s'est mariés d'ailleurs. Ouais. Voilà. Mais à part ça, pour ceux qui disent, voilà, c'est papier. Moi, avant de rencontrer ma femme, je partais en France. Voilà. Donc, je ne vois pas. Non, il a parti en France et puis il a vivre en France. Mais ici, il ne vit pas là-bas. Oui, mais bon, ils se disent que peut-être que c'est en prélude de vivre dans le Bengue. Que tu as tes couleurs. Oh, non, pas du tout, pas du tout. Moi, je tiens trop à ma carrière, je tiens trop à Magic Diesel. C'est pour ça qu'on est là. On fait le travail et on fera tout pour faire le travail. Alors, donc, tu trouves que vivre en France, c'est un cimetière pour les artistes? Non, je ne sais pas quand tu as dit ça. Hein. Non, parce que si tu dis que tu tiens ta carrière ici, que tu tiens tout à te... Et ceux qui sont en France, qui vivent là-bas, et puis ils sont artistes, c'est un cimetière pour eux. Donne-moi le nom d'un artiste qui vit en France et qui arrive à faire sa musique tranquillement, ici, sa musique ivoirienne ici. Il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça que tu reviens encore à ma question. Voilà. Donc, tu viens de dire qu'il n'y en a pas. Pourquoi c'est moi? Sèche. Quelque chose qui n'existe pas là. Pourquoi tu veux que moi, je vais te faire ça? Mais justement, c'est pour cela que moi, je te demande. Donc, tu veux dire quoi? Que les artistes qui vivent. Que les artistes vivent. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Les faits sont là. Les faits sont là. D'accord. Les faits confirment ça.
Oui. Voilà. Il n'y a pas d'artiste qui vit en France, France qui fait son permanentement, voilà, et puis, voilà. Et puis il va être en Côte d'Ivoire, voilà. Public, il va être actif aussi. Voilà. C'est un peu compliqué. Il prend un exemple. De toute façon, les artistes ici, quand ça mousse là, ça marche directement. Les chansons juste devant Bengue. Oui. C'est pas pareil qu'un artiste ivoirien, quand que il sort une œuvre là-bas, et puis ça peut se mousser, c'est pendant qu'il est là-bas. C'est rare, c'est vraiment rare. C'est rare. Non, c'est vraiment rare. Il y a Angelo Basta, qui chante très bien. Ouais, qui a fait un hommage à Didier Arafat. Oui, mais c'est bon aussi, ça. C'est vraiment très, très rare. Voilà. Non, ça, c'est clair. C'est vrai que même nous-mêmes, à notre époque aussi, c'était pareil. Donc, c'est quelque chose qui est un peu très difficile. Si tu n'es pas sur place à Abidjan, c'est compliqué. Ça va cher, ça court pour te laisser. Là, c'est clair. Alors, mais dis-moi, moi, j'ai un truc aussi que je n'ai pas compris. On t'a vu récemment dans une vidéo en train de clasher tes aînés, comme les Vino l'ambassadeur, Roga Forlan et tout ça, en utilisant même des mots très forts. Qu'est-ce que tu réponds réellement à ces personnes-là? Est-ce que maudit, c'est injure? Bon, ça, c'est ce que ma VD a dit, mais ça n'avait pas dit que ce n'est pas injure. C'est une injure. C'est une injure. Ah, d'accord. Ok. Pour ce que tu viens de dire, par exemple, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que on a fait je dis quoi, j'ai fait mon mea culpa. D'accord. Voilà, j'ai fait tout ce qu'il faut faire. J'ai fait le remue-ménage dans ma vie et j'ai décidé de passer à autre chose. Okay. Voilà. Si on m'a vu dans des vidéos en train de répondre, c'est parce que c'en était de trop. Okay. Voilà. On ne peut pas prendre son temps, salir quelqu'un. Hein? Quelqu'un qui t'a rien fait. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi, on m'a pas encore montré quelque chose que j'ai fait à ces gens qui ont parlé mal de nous, qui nous ont dénigrés. Mais Dieu merci, on est passé au-dessus de ça. C'est pour ça que je dis, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Okay. Voilà. Maintenant que tout est donc passé là. Donc, tu penses que vous avez été victime d'une campagne de boycotting? Mais c'est clair que tout le monde a vu ça. C'est pas nous qui avons inventé ça. Ils sont mis dans une logique de vous boycotter en fait. Mais c'est pas moi qui leur ai dit de faire ça. Mais c'est ce que tu fais là. C'est ça, on juge. Ok, donc vous avez vu les résultats de leurs actions. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand on sort des œuvres aussi, on est passé à autre chose. D'accord. Essayez de nous soutenir. Vous ne soutenez pas. Ça veut dire que votre but, c'était de nous voir partir. C'est pas où. Mais Dieu merci, on est passé à autre chose. Moi, j'ai demandé pardon à tout le monde, déjà par rapport à ça. Voilà. Et j'ai pardonné aussi ceux qui m'ont fait du tort, ceux qui ont fait du tort au groupe Magie. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est nos œuvres qu'on va sortir, qu'on sort, et pour se positionner, pour faire plaisir à nos fans. C'est tout ce qui nous intéresse. Alors, mais Omo, toi, de cette position, on ne te voit pas souvent assez actif. On voit plus ton frère qui est toujours en train de battre. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est-à-dire, quand tu ne parles pas, pas parce que tu n'as rien à dire. Bah, tu parles pas. Je viens. Non, pas du tout. C'est-à-dire, quand tu ne parles pas, c'est pas parce que tu n'as rien à dire. Il n'y a pas quelqu'un qui ne parle pas sur cette terre. Tout le monde parle sans exception. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent se maîtriser, qui savent vraiment, qui sont eux-mêmes en fait. Tu vois, il y a un problème, il peut avoir mal peut-être, il peut avoir mal et puis il est vraiment calme en fait. Il y a des gens, ils expriment de là à là en même temps. Okay. Ça c'est eux. Tu comprends? D'accord. Voilà. Donc à ce sujet là, moi la première chose que je peux dire, comme il a dit, d'abord, comme on l'avait déjà fait d'ailleurs, demander pardon à tout le monde, s'excuser humblement et aussi pardonner aussi à ceux aussi qui nous ont fait du tort. Tranquillement. Le plus important, c'est ce que Magie Désiré va faire maintenant. Là. Voilà. Parce qu'il y a l'album qui arrive. Voilà. Tous les qui Magie est en train de mettre tous les moments dedans. Donc, c'est ça qu'on doit parler en fait. Ok. Voilà. C'est important. Alors, revenons à ton mariage. Il paraît que tu as abandonné ta femme et la mère de ton enfant. Ils vont parler de tes maris en France. Pourquoi tu fais ça? Mais attends, dans la vie là. C'est-à-dire, je pense que tous ceux qui ont marié aujourd'hui là, ils ont été avec quelqu'un avant de se marier. Donne un exemple. Ah, tu as des maris, non? Oui, non, mais est-ce que ta femme qui t'es mariée là, c'est la première femme de ta vie en même temps que tu t'es mariée? Non. Tu as connu des femmes avant. Bien sûr. Voilà. Donc, chacun a son histoire. Non, c'est le mot abandonner là, c'est ça qui est. Sinon, c'est pas tout le monde peut laisser partir. Bon, voilà, on dit que tu as abandonné la mère de ton enfant, Yubou. Oui. Voilà, c'est marié en France. C'est ce qu'on dit. Oui. Mais. C'est-à-dire que si quelqu'un veut expliquer comment il a laissé son ex avant de se marier, on ne va pas quitter ici. Peut-être tu peux venir dire oui, on s'est laissé, mais celui qui va écouter va te l'abandonner. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Okay. Voilà. Moi, mais toi, tu dis quoi? Moi, il dit, tout s'est fait comme ça devait se passer, tranquillement. Et puis là, en fait,
C'est ma vie privée en fait, tu vois, c'est ma vie privée, mais il permet qu'on en parle, il n'y a pas de souci. Ouais, moi, j'ai une personne publique, un artiste, ça ne chauffe pas. Public, ouais. Voilà, ça ne chauffe pas. Mais ce qu'il dit aussi, il faut qu'on retienne. Parce que je n'ai pas abandonné quelqu'un, j'ai abandonné personne. Tu n'as abandonné personne. Voilà. Et tout est, vous êtes en odeur de sainteté, tout est bien propre, il n'y a pas de discours. Donc quand tu ne sais pas, il y a quelqu'un, tu ne peux pas être en odeur de sainteté, la personne. Pourquoi tu une séparation, que... c'est une séparation. Oui. Même si c'est une relation amoureuse, une relation amicale, une séparation, ça fait toujours mal. Donc là, il y a bafou. Donc, non, il n'y a pas bafou. Je ne dis pas qu'il y a bafou. Comme tu dis, on est en odeur de sainteté. Oui, mais ça, c'est un mot très important. C'est important. Tu sais de quel mot il parle. Voilà. C'est un mot qui a tout son sens. Il ne faut pas dire les choses qui ne sont pas. Ok. Voilà. C'est pas que ça va, tout va trop bien. Mais il n'y a aucun problème. Pas ça. Ok. D'accord. Bon, ok, c'est bon alors si tu le dis. Bon, comme tu dis, si bien chacun a sa manière de se séparer de son ex, hein. Quels sont vos rapports aussi au jour le jour avec votre ex-producteur, Brico Goligny? Il reste notre papa. D'accord. Voilà, il reste notre papa, il le sait, nous le savons. Voilà, je pense que le reste, c'est Dieu qui décide. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'histoires à un moment. Apparemment, vous êtes vu en aparté, vous avez réglé l'affaire bien. Mais après, encore, ça s'est régaté. Mais pourquoi tout ça? C'est regardé comment? Non, c'est du genre, après, ça n'a pas pu. Vous n'avez pas pu recollaborer ensemble, je dirais. Mais peut-être que le fait de se revoir, de régler là, c'était pas forcément pour collaborer, peut-être. Ah, ok, donc c'était juste peut-être pour planifier les choses. Je dis, peut-être. Oui. Voilà. Donc, si ça se passe comme ça. Moi, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. C'est qu'on dit qu'il s'est passé. D'accord. Moi, je sais qu'il ne s'est rien passé. On a fait ce qu'on avait à faire. Et nous, et le vieux. Et. La réconciliation a eu lieu tranquille. Seulement, comme c'est quelqu'un qui n'aime pas trop se faire voir, et tout. Tout ça, et nous aussi, on s'est dit, bon, on suit le vieux. Donc, on n'a pas voulu montrer ça à quelqu'un. Mais dans le temps, vous reprochez déjà au vieux père Brico Goligny de prendre son frère pour être votre manager. Mais aujourd'hui, là, c'est toi ton frère ou le frère de Sawako qui est votre manager. Bon, vous ne trouvez pas que c'est paradoxal un peu? Qui a dit que nous, on a reproché au vieux de prendre son frère pour être votre manager? C'est ça. Les gens racontent beaucoup de choses. Non. Moi-même là, il a expliqué. Moi, on dit, il s'est quitté l'immeuble pour tomber. Ça, on m'a dit ça aussi. On t'a dit ça. C'est pas quoi arriver. Tu vois. On dit non, mais cherchait. Il s'est quitté, il a sauté de l'immeuble. Pourquoi tu es tombé? Et on m'appelle pour me dire qu'on dit que tu es tombé. Il dit, mais il s'est tombé. Il dit, il s'est tombé, non? Il s'est tombé à dire moi. Il s'est à terre. Il n'a pas sauté de l'immeuble. Il a sauté pour aller où? Aïe! Qui me pousse? Comme toujours, quand ça arrive, nous on rigole, on prend ça pour rigoler, puis bon voilà, on essaie d'avancer. Mais aujourd'hui, hein, aujourd'hui les gars, de vous à moi, hein, soyons sincères. À un moment donné, hein, vous avez une poignée, une perche qui faisait de vous pratiquement le fer de lance du Zouglou de la nouvelle génération. Et avec vos problèmes avec votre manager et votre producteur et tout ça, quand vous voyez aujourd'hui VDA qui vient vous emboîter le pas, qui est aujourd'hui en pole position, ça vous fait pas un petit pincement au cœur? Est-ce que le fait même que les artistes dont tu parles, ils soient où ils sont, ça pose problème à quelqu'un? Normalement, non. Si y a pas pourquoi à nous, ça doit poser problème? Non, ça, c'est ce qui est normal. Mais dans la normale, ça pose problème à beaucoup de personnes. Oui, mais nous, on ne fait pas partie de ces personnes-là. OK. Voilà, parce que s'il a dit ça une fois, il dit, bon, si les gars, ils ne sont pas au niveau où ils sont là, est-ce que c'est moyen de les nourrir? Ce n'est pas moi. Chacun a son étoile. OK. Voilà. Ce qui nous est arrivé, comme on en parle depuis, c'est pas la première fois que ça arrive à un artiste en Côte d'Ivoire. D'accord. Je suis sûr que c'est pas la première fois. Il y a des grands artistes, même le vieux père, même les grands frères Magic System, ils ont connu ce genre de problème. Ok. Je pense que le plus important, c'est comment tu sors de là. Et c'est ce que nous, on est en train de faire. Ce qui nous intéresse, c'est de continuer à faire chanter nos chansons et puis faire plaisir à ceux qui nous aiment. Chacun a son étoile. Dieu place chacun où il doit se placer. Quand ton tour arrive, on te met. Si c'est le tour de quelqu'un, on le met. Ce n'est pas à toi de venir. Si tu dois te plaindre parce que quelqu'un est devant, le jour où tu es devant, si il y a un moment, c'est plaindre, ça ne va pas te plaindre. Voilà. Donc, je pense que chacun mérite ce qu'il a. Pas vous plaindre. Quand je parle, j'ai dit juste un pincement au cœur. C'est-à-dire, tu peux voir, vous te dites, ah, quand on était en train de mousser, ah, si on était, on continuait qu'il n'y avait pas tous ces problèmes-là. En ce moment même, là, peut-être qu'on était. Encore plus, voilà. Juste ça. Ça peut, on peut penser. Un pincement au cœur. Non, une pensée de la sorte. Ça peut venir. Bah, je pense que oui, c'est logique. C'est logique, vous êtes des êtres humains. Ça peut venir. Voilà, dans le milieu artistique, il n'y a personne qui accepte que son ami soit au devant de son. C'est de ça que moi je parle. Voilà, il n'y a personne qui l'accepte. Ils vont finalement dire ce qu'il veut. Mais la réalité, c'est ce que tu veux forcément. C'est ça. Il n'y a personne qui veut rester derrière. Voilà. Après, il ne faut pas aller loin.
Ok. Tu peux, ça peut, c'est une jalousie logique. On va dire c'est une jalousie concurrentielle. Voilà, c'est logique. Ok. Nous, on va pas plus loin que ça. D'accord. Donc, pincez-moi que ça est arrivé, mais après, on passe à autre chose. On passe à autre chose. C'est tout. D'accord. Alors, mais là, vous préparez un album ou un maxi? Bien sûr, on prépare un album. Combien de titres? Là, on est à 12 titres. 12? Nous sommes à 12 titres pour l'instant. Ok. Voilà. Comme il y a encore des trucs qui peuvent se passer. Donc, ça peut encore. Voilà. Et là, normalement, vous prévoyez la sortie pour quand? La sortie, on va dire. Jusqu'en mai. Jusqu'en mai. Jusqu'en mai. C'est-à-dire que dernier délai mai, mm-hmm. voilà, l'album sera là. Parce qu'avant ça, il y a beaucoup de choses qu'on a prévues quand même. Mm-hmm. C'est un album, c'est notre deuxième album. Il ne faut pas le sortir dans les conditions. Il faut que tout soit bien réuni. Et puis on sort l'album tranquillement. Alors, avec l'actualité musicale qui se passe en ce moment, on dirait la sphère musicale ivoirienne en ce moment, avec le nouveau concept, le nouveau mouvement comme le mouvement des enfants et tout ça, qui prend de l'ampleur, qui est vraiment en pole position, vous n'avez pas peur de sortir votre album et être noyé par ça? J'ai un exemple. Ou bien vous avez des titres déjà un peu aussi, vous avez commencé à faire des mouvements de Maïmouna aussi. Je pense que nous, notre particularité, c'est qu'on est original. Mm-hmm. Quand on fait quelque chose, ça vient de nous. D'accord. Tu vois, donc, si on reste dans ça, je pense que ça continuera de payer. Mais n'empêche que musicalement, on est curieux. Ouais, voilà, donc il y a forcément quelque chose qui domine dans la sphère musicale. Voilà. Comment vous inspirez? Voilà. Nous sommes des musiciens, des artistes, des musiciens. Donc on n'est pas fermé, on n'est fermé à aucun style. D'accord. Donc s'il y a occasion de taper dedans, on tape dedans. Donc vous êtes des multidimensionnels. Voilà. Je pense que c'est plus ça notre particularité. On s'adapte à tout. Okay. En tout cas, il y a des. Si l'album, bon, c'est qu'elle suit, on va découvrir. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement avec cette nouvelle manière de s'amuser? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est bon. C'est toujours, on contribue à mettre la joie dans le cœur des Ivoiriens. Je pense que c'est bien. Puis ça permet aussi à beaucoup de talents. Il y a beaucoup de talents. Tu vois qu'on voit chaque jour, il y a des rappeurs qui font des freestyles. Chaque jour, il y a des nouveaux rappeurs. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire regorge énormément de talents. Et ça, c'est très bien. Voilà. Mais le Zouglou, il faut respecter. Voilà. Le Zouglou, ce n'est pas le Vlagada. Ah, mais c'est top, ça fait vraiment plaisir. Alors, donc, qu'est-ce que, au jour d'aujourd'hui, Magic Diesel en studio, bientôt nouvel album et tout, qu'est-ce que vous promettez au grand public? Bah, on promet notre originalité et puis de la diversité dans la musique. Voilà. Et puis, je pense que chacun pourra constater qu'il y a quand même une maturité musicale dans tout ce qu'on a fait sur cet album. Donc, vraiment, ça promet quoi. Il y a des collaborations bon, qu'on ne peut pas citer aussi parce qu'on veut garder ça secret pour que ça puisse faire vraiment effet. Voilà. Okay. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est toujours la magie. Ok. Alors, ça va court. Toi, tu n'as pas encore trouvé ta blanche? Non, moi j'ai pas. Est-ce que lui cherche Blanche? C'est ça. C'est Blanche que je recherche. Pas besoin de Blanche. Il y a Blanche à côté. Non, j'ai pas besoin de Blanche. Blanche, on est pas de Blanche, mais propre. Non, on va faire ça. C'est un Africain plus. Non, il y a une Blanche qui est propre là-bas. Non, ça c'est clair, mais en fait, je veux dire que quand on se marie, c'est par amour, c'est pas par. Ouais, mais l'amour, faut bien rencontrer l'amour quelque part. Après, je veux dire, peut-être que dans vos tournées et tout, lui, il a rencontré l'amour là-bas. Toi aussi, tu veux rencontrer aussi l'amour là-bas. Ouais, peut-être, mais moi, je ne souhaite pas aller. Ou bien, c'est pas ton feeling, c'est pas ton style. Voilà, c'est pas mon moment. Voilà. Ah, c'est pas ton moment. En fait, c'est même tout là qu'on disait au début. Ok. Moi, je veux pas l'enfance. Mais toi, tu disais que c'est pas ton moment aussi, non? C'est ce qu'ils sont. Non, c'est pas que c'est pas mon moment. Je t'explique un truc. Non, je veux pas dire ça. Arrête de dire. Non. Tu vois, je veux dire quoi? Au début de notre carrière. Je sais pas les. Au début de notre carrière. Mais pourquoi tu veux pas dire la partie où tu disais au début c'est pas ton mouvement? Ouais. C'est devenu c'est ton mouvement. C'est pas dit ça. C'est toi qui dis ça. On peut changer le mouvement non, comme non, ça. Non, ça c'est toi qui dis ça. C'est lui qui dit c'est pas son mouvement. Moi, je disais quoi? Au début de notre carrière, on disait quoi, voilà, moi je ne vais pas en France, je ne vais pas rester en France, tout ça. Bah, c'est pas mon France, en fait, c'est rester en France là qui n'est pas mon truc. Si. Voilà, moi ça ne m'intéresse pas. Mais si c'est l'amour là, ce n'est pas toi qui décide. Qui décide, oui. Voilà,
Mais si là-bas, ton amour se trouve à Ziplignan. Tu vas aller à Ziplignan. Ouais, donc, je peux dire, j'espère croiser mon âme sœur. Voilà, mais pour l'heure, je peux dire. À Ziplignan. À Ziplignan, mais bien sûr. Pourquoi pas? Mais oui. Ziplignan, pourquoi pas? Ou bien Zakoua. À Zakoua, par exemple. Voilà. Ah. Donc c'est pas on non, décide mais pas. C'est clair mais non, mais non mais il faut vraiment souligner que nous ne sommes pas des cœurs à prendre quoi. Ah voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est ce que je alors ça va faut, pour. Faut vraiment souligner ça. Tu es marié? Donc souligne ça d'abord. OK, tu es marié, tu n'as pas de cœur à prendre. Bon, pour l'heure, je suis pas encore marié légalement à la mairie. Oui, mais tu as déjà quelqu'un dans ta vie. Voilà. Tu es marié à la maison. Voilà. À la maison. J'ai quelqu'un dans ma vie. Mais j'espère que tu es pas en train de l'étudier pour faire diplôme. Qu'est-ce que vous espérez? C'est elle le mec qui est en train d'étudier. Ah, c'est ça. Pourquoi forcément vous voulez que c'est les hommes qui étudient? Pourtant, les femmes, elles ont fini l'étude. Ah bon? Ah, ok. Toi, tu connais. Mais qu'est-ce que tu penses de la polygamie? La polygamie? Bon, moi, franchement. Mais pourquoi vous êtes choqué? Ah, demandez ça à moi, j'ai dit. Qu'est-ce que tu penses de la polygamie? Bon. En tant que jeune. Ça va, vraiment pas, tu parles pas là. Tu dois être très dangereux. Non, tu non, penses non, quoi non. La polygamie? Attends, les gens qui parlent pas là, ils sont pas bien. Attends, faut parler. Laisse-moi répondre. Bon, moi, je suis pas d'accord avec, en fait. Tu n'es pas d'accord avec? En un mot, je suis pas d'accord avec. Voilà, pour ne pas trop expliquer dans les détails. Mm-hmm. En un mot, je suis pas trop allé avec ça. Bon, si tu n'es pas trop allé avec ça, est-ce que toi, il t'est déjà arrivé dans ta vie d'avoir 2-3 goûts? Non, moi, je fais pas ça, toi aussi. Toi, tu n'as jamais eu 2 goûts en même temps, 3 goûts en même temps? Je fais que ça. Et ça va pour foirer. Non. Regarde ta caméra, moi, ma caméra. On n'a qu'à laisser caméra, on n'a qu'à laisser télévision. On s'amuse. Mais comment on a la télévision? Dans les narines, n'hésite pas à dire, on n'a qu'à laisser ça. Ça va que toi, tu n'as jamais. Quand tu étais jeune, déjà, on est jeune. Et puis, bon, tu as 2 goûts. Je comprends, non, je comprends. Ça. C'est une erreur de jeunesse. Voilà, ça m'a déjà arrivé. Étant petit, tu vois, non? Je vais dire que maintenant. Quand tu étais petit, tu es femme, quand tu es petit. Non, mais je vais dire. Dans ma. Ouais, dans ta jeunesse. Ma jeunesse, okay. Maintenant, je suis plus jeune là. Bon, maintenant, si toi, tu as eu 2-3 goûts, hein, pourquoi tu es contre la polygamie? Non. Je n'étais pas trop conscient de ce que je faisais, je vais dire. Maintenant que je suis conscient, je vois que ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien? Non, pas du tout. Bon, Tim, qu'est-ce que tu penses? Je sais que tu ne fais pas ça. Non, moi, je vous pose des questions. Ah, d'accord. Ouais, moi, toi, je ne suis pas. Qu'est-ce que tu penses de la polygamie? Toi, tu n'as pas polygamie? Je ne suis pas polygamie. Il t'est jamais arrivé des jeunes d'avoir 2-3 goûts, ouais, des choses comme ça dans ta vie, jamais. Non. Il m'est jamais arrivé d'avoir 2-3 goûts ou bien qu'est-ce qu'il pense? Non, il t'est jamais arrivé d'être dans ta jeunesse d'avoir 2-3 goûts comme ça. Mais si. Voilà, normal. Maintenant, qu'est-ce que tu penses maintenant de la polygamie? Mais je ne suis pas polygame. Mais tes 2-3 goûts tu avais là, c'est comme si tu étais polygame. Je n'étais pas marié en ce moment-là. Je pense qu'à partir du moment où tu es marié légalement, c'est là qu'on peut dire la polygamie même rentre en truc. Bon, donc, ceux qui sont déjà mariés, par exemple, qui ont les maîtresses dehors, qui les entretiennent, qui payent les maisons pour elles, tout ça, c'est pas ça, c'est une autre forme de polygamie ou bien c'est quoi? Ça, c'est leur mouvement. Non, mais comment on appelle ça? Mais c'est pas moi qui ai donné le nom à ce qu'ils font, pardon. C'est eux qui font ça. Et toi, tu fais pas ça aussi? Aïe. Ça veut dire que tu pourrais le marier, tu dois faire ça dans parfois. Et puis, Naka te dit que, ouais, je suis ici, je suis là-bas. On sait jamais, ça fait sortir comme ça. Je sais pas ce que c'est. Non, pas du tout. Alors, les gars, ça fait plaisir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et au jour d'aujourd'hui, je vois, c'est vrai que Magie Diesel, j'ai beaucoup aimé aussi votre titre Maladie. Non, ouais, Maladie d'amour, maladie. Ouais. C'était vraiment une très belle chanson. Ça arrive ton Goumen. Oui. Non, moi, je tombe pas. Moi, c'est rare qu'il y ait Goumen là. Moi, il y a eu mon premier boumé qui était jeune après ça jusqu'à aujourd'hui. J'ai été fasciné, corrigé pour ça. Mais alors, les gars, j'espère qu'on aura des titres encore un peu comme ça dans ce style-là, dans le nouvel album. Mais oui, pourquoi pas, c'est Magie Diesel. C'est notre étiquette, voilà. C'est pas ça qu'on nous reconnaît. Donc, forcément, il y aura ces chansons-là. Ce vous avez aussi des chansons un peu de style Saclo, j'avais écouté un moment un son. Ouais, Bonheur recherché. Bonheur recherché. Ouais. Là, plus. Sawako s'exprimait beaucoup plus dessus. Ou quoi, tu te sentais bien dans ce style-là? Non, pas parce que je me sentais bien. Je me sens. Aujourd'hui, je me sens un peu. Presque tout est style d'abord, à cause de lui. À cause de lui, ok. Voilà, d'accord. Parce que lui, il est un peu partout. Donc, du coup, je prends ce style-là, ce style tradit, et puis je mets ça dans les beats modernes. Donc, du coup,
Voilà, Kadan, du coup, voilà qu'on bosse, quoi, Frisson. C'est moi, la première fois que je vous ai vu, sincèrement, c'était à Port-Boué. D'accord. Voilà, c'était, je crois, il y avait un maquis qui était au bord de la plage, là, et au bord de, voilà. Oui, à Vridi. À Vridi, pardon, à Vridi. Et ce jour-là, j'étais assis dans le public et vous avez interprété la chanson Sagacité. Vous aviez une chanson en acapella. Mais vous n'avez pas fait sortir ça en chanson? Si, si, ça fait pas. C'est notre deuxième maxi single. C'est sorti depuis 2015. Non, en fait, quand moi je vous avais vu, vous faisiez des acapella avec. Oui, oui, oui. Et après, je suis parti à Paris, en fait. Donc, j'ai pas vu la sortie de cette chanson. Non, mais en fait, cette chanson est sortie sur un maxi single. Il y avait Kanou sur le même maxi single. Mais comme Kanou est sorti avec un clip, on a plus vu Kanou que par rapport au titre Poto Poto. Sinon, c'est disponible par Tap Magic Diesel Poto Poto. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que le public retienne de vous, Magic Diesel, au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez traversé? Quel est l'appel que vous lancez à vos fans? Je pense que déjà il faut leur dire merci parce que c'est grâce à eux quand même qu'on est encore sur pied. Et on a toujours cette culture-là de nous faire vendre par notre travail. D'accord. Voilà. Mm-hmm. On n'a pas connu Magic Diesel dans les histoires, dans les clashs, tout ça. C'est notre travail qui a provoqué du buzz. Mm-hmm. Voilà. Donc, je veux les rassurer pour leur dire qu'on est toujours dans cette même veine-là. Okay, et d'accord. En plus, avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, on est mieux placé pour donner des conseils à des gens. Voilà, parce que c'est quand tu as vécu quelque chose là que tu peux dire, voilà comment ça se passe et tout et tout. Donc nous, dans notre tête, on est tranquille. On cherche juste à faire notre musique et puis atteindre nos objectifs. Voilà. Okay. Voilà. Donc on les remercie pour leur soutien et on les invite à toujours nous suivre sur nos réseaux partout. Alors la prochaine sortie est prévue pour quand? L'album, on va dire, c'est prévu pour quel mois? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, on va dire plus grand à fin mai. Fin mai. Voilà. Sinon, c'est fermé, j'ai dit, hein, ça peut sortir en avril, ça peut même sortir dans le mois de mars. Les arrangeurs que vous avez coctés? C'est toujours la magie du vieux Totorino. Ouais, El Samouraï. La magie du vieux Olivier Blé. Olivier Blé. Voilà, toujours la magie aussi de la nouvelle génération, comme Roche Arthur, Cédric Canavaro, et voilà, beaucoup d'autres. C'est un peu diversifié, quoi, voilà, comme toujours. Un peu plus de style. Comme toujours. Okay. Alors, notre émission va bientôt tirer à sa fin. Et c'était un réel plaisir vraiment de vous recevoir ici. Oui, Vendette n'est pas trop content. Non, parce que c'est pas encore fini. C'est pas le temps, il n'y a pas beaucoup. Deux là, il y a beaucoup de choses. Bon, toi, un goût, mais tu as fait de où tu as sauté là? Qui t'a poursuivi? Tu sais, je pense qu'il y a une période quand on a sorti la chanson Gagnois, où tout le monde nous racontait. À cette période aussi, on a beaucoup souffert. Voilà, j'ai raconté, j'ai vu même une vidéo d'une dame qui a décortiqué notre chanson. Elle a dit, elle prend mot par mot. Et puis elle donne les interprétations à ce que nous on a chanté. Puis on est assis, on regarde et puis on est choqué. Donc on était dans cette période-là. Et puis il y a une dame qui vient à moi, voilà, une mémé qu'on appelle la cousine dans notre ancien quartier à Yopougon au nord. Voilà, c'est une mémé qui est très choc dans le quartier. C'est elle qui m'appelle. Si vous êtes là, vous m'appelez. Allô mon fils, tu es où? Il dit non, elle vient ici à la maison. Elle dit ah, mais ça va? Il dit oui, ça va. Ça va. Il dit mais tu n'as rien? Il dit oui, il n'y a rien. Il dit mais tu as sauté, tu n'as rien? Il dit il a sauté comment? Il m'a dit tu as sauté de l'humain pour tomber par terre. Oui. Que les gens sont venus avec fusil, tout ça. Oui, on dit ils sont venus derrière vous, tu cherchais un fusil. Il dit aïe. Moi, c'est à la maison ici, on a rentré, mais Gaba. Moi, par contre, c'est ma mère, c'est ma mère qui m'appelle pour me dire que. On vous cherche. Non, on dit qu'on m'a attrapé à Boubou, qui m'a. On m'a frappé, on m'a mis en prison, tout comme ça. Il dit, tu es en prison, tu es où, tu es en prison? Non, je suis pas en prison. Tu es à la maison, il est à la maison. Il dit, ah bon, on dit, vous attrapez à Bobo, vous a frappé, vous a mis en prison. Il dit, mais non, il est à la maison, tu es sûr, dis-moi la vérité. Il dit, il n'y a rien, il est à la maison. Non, mais il faut dire qu'il est cyberactiviste aussi. Ah, c'est bon, c'est bon. À un moment, les exagérés. Vous avez fini ça? Je pense que c'est le lieu même de remercier le gouvernement. Parce que oui, il y a eu trop de. Ouais, on dit le gouvernement a censuré Magic Diesel. Pourtant, il n'en était rien. Ouais. Tu vois. Ouais. Non, mais en même temps aussi, hein, hormis le fait de remercier le gouvernement, il faut aussi sensibiliser ses frères. Bien sûr, cyberactivistes. Parce que par moment, tellement vous voulez faire monter les choses, vous inculquez, vous dites des paroles concernant des gens. Non, en fait, mais vous les mettez en danger même sans vous rendre compte. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Voilà. Aux parents des gens, en fait. Oui, mais c'est ça comme ça. Ma mère, comme ça, qui se porte pas bien, à la pension des nouvelles,
si elle n'est pas forte, elle peut tomber là, même temps avant de m'appeler. Tu vois? Bien sûr. Donc, les gars, mettez un peu d'eau dans vous. Mettez un peu d'eau dans vous. Dosez un peu. C'est vrai que. Partagez, mettez les cœurs. Dosez. Il y a déjà le partage, il y a les cœurs. Hein. On pense que ça peut aller comme ça. Alors, merci. Notre émission maintenant tire à sa fin. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Nous avons reçu à l'instant le groupe Magic Diesel, bientôt sorti du nouvel album. Big up à tous ceux qui les soutiennent, big up à tous ceux qui soutiennent le Fafa, big up à Ange Bleu le cultivateur, big up à Kangala le berger, big up à Kra la boutique, les vêtements de luxe du côté de la 7e tranche, big up à Franck Aka. Allez faire un tour du côté de Makori parce qu'il a ouvert une super boutique là-bas. C'est le Versailles chez Franck Aka. On est ensemble. Merci à tous. Et surtout, sortez couverts. Franck Mian, on est ensemble, champion. Big up. Toujours.